et elles s'appuieront notamment sur leur jeune pivot Sarah Bouktit. La joueuse de 19 ans originaire de Mont-Saint-Martin s'est révélée cette saison au point de lui ouvrir les portes de l'équipe de France. Son portrait par Yoann Rodier et Eric Bertrand. Elle est plutôt du genre pressée. À seulement 19 ans, Sarah Bouktit a franchi 4 à 4 les marches vers le très haut niveau. Pur produit du centre de formation du Mess Handball, la puissante Meurthe-et-Moselle s'est faite en quelques mois une place dans un des meilleurs effectifs d'Europe. Pourtant, en début de saison, ce n'était pas gagné. Mais au mois d'août, le départ imprévu d'une des trois pivots de l'équipe a précipité son éclosion. Le fait d'avoir du temps de jeu, ça m'a fait prendre confiance en moi et en plus, je suis super bien accompagnée cette saison, que ce soit au niveau de l'équipe ou même au niveau de Astrid Nguyen qui partage le poste avec moi. Et elles ont su vraiment me mettre dans de bonnes conditions pour que j'assure tout au long de la saison. Et la pépite Bouktit n'a pas tardé à briller sur les parquets en championnat comme en Coupe d'Europe. Du haut de son 1m85 avec son gabarit impressionnant, elle prend un malin plaisir à maltraiter les défenses adverses, à l'image de celle de Mérignac, contre qui elle a inscrit 7 buts en l'espace d'une mi-temps. Ce qui est assez fou, c'est que j'ai rarement vu vraiment une joueuse aussi fine techniquement que Sarah. Elle a habile main droite, elle a habile main gauche. Donc elle est très très forte, elle est très habile dans le duel avec la gardienne de but aussi. Elle est capable de fixer la gardienne d'un côté, mettre la balle de l'autre. À Metz, Sarah Bouktit a été prise sous son aile par l'autre pivot de l'équipe, Astrid Nguyen, de 10 ans son aînée. Une sorte de grande sœur qui ne manque pas une occasion de lui donner des conseils, notamment sur sa technique défensive qu'elle doit encore améliorer. Oui, on discute énormément. Après, je ne suis pas tout le temps sur son dos. J'essaye en tout cas. Ça fait plaisir de voir une jeune qui progresse comme ça. Après, ce n'était pas évident parce qu'à la base, elle était troisième pivot, on va dire. Et d'un coup, elle a été propulsée assez vite sur la scène, sur le terrain. Donc, elle arrive très bien à prendre ses marques. Donc, c'est super. Les bonnes performances de Sarah lui ont même ouvert les portes de l'équipe de France A, alors qu'elle n'est encore que junior. Fin mars, elle a rejoint les Bleus, championne olympique en titre, pour 2 matchs de qualification à l'Euro 2022 face à la Croatie. C'est toujours compliqué d'arriver dans une équipe, surtout une équipe comme celle-ci qui a vraiment un palmarès incroyable. Et quand on est jeune, c'est difficile. Donc elles ont été super avec moi, j'ai réussi à m'intégrer rapidement. Après, quand j'ai foulé les premiers terrains avec Léa, j'ai essayé de ne pas trop penser à ça et pas d'être trop impressionné parce que sinon les performances sont difficiles à faire. Donc j'ai essayé de ne pas penser à ça, vraiment jouer mon handball. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Pour Sarah Bouktit, la fin de saison s'annonce palpitante avec les finales du championnat, de la Coupe de France et le Final Four de la Ligue des Champions à Budapest. Comme ses coéquipières, la Lorraine rêve d'un formidable triplé. C'est une saison un peu particulière parce qu'il y a des joueuses qui partent et en plus c'est des joueuses emblématiques de ce club. Orlane, Méline, Astrid par exemple. Et en plus c'est des joueuses que vraiment moi personnellement j'apprécie, donc ça va me faire quelque chose qu'elles partent et ça serait vraiment bien d'écrire un petit palmarès tout ensemble. Quoi qu'il advienne, la saison prochaine, Sarah Bouktit fera partie intégrante du nouveau projet du Mess Handball, avec qui elle a signé son premier contrat professionnel jusqu'en 2024.